Bonjour à tous. Et voilà, je viens de prendre la décision ferme et définitive de prendre ma vie en main et de prendre ma liberté. Donc, jusqu'à un temps indéfini, je ne sais pas quand, je n'irai plus sur Facebook. Vous pourrez garder le contact via Messenger, mais je n'irai plus sur Facebook. Je veux une liberté totale. Je ne me servirai de mon téléphone que pour faire les vidéos. Je vais enlever toutes les applications qu'il y a dessus. J'ai vraiment besoin de me retrouver au calme, à l'extérieur de tout ce qui m'entoure, faire le vide. Reprendre ma vie en main. Ma vie, non pas celle qu'on m'impose, non pas celle que l'on voudrait que je vive, mais ma vie. C'est-à-dire suivre mon cœur et savoir quand il est bon pour moi d'agir ou de ne pas agir. C'est suite à la conversation que je viens d'avoir avec un ami qui m'a fait comprendre que il était temps. Il était temps de tout laisser tomber, il était temps, parce que jusqu'à maintenant j'étais sur Facebook et je dénonçais, je dénonçais. Et puis finalement je me rends compte que ça va pas, que ça me. C'est pas. J'ai besoin d'aider les gens à ouvrir les yeux. Mais j'en ai marre, vous voyez, j'ai l'image d'un bus là, qui me vient. Et j'en ai marre de dire au conducteur, ralentissez, ralentissez. Il y en a là qui. Ils arrivent, ils courent pas assez vite, ils avancent pas assez vite, mais ils arrivent. J'en ai marre de dire au bus d'arrêt. De ralentir. Ben, voilà. Ceux qui sont dedans, ils sont prêts à aller vers leur nouvelle vie, leur nouveau destin. Ils ont essayé de tout lâcher, d'abandonner et de partir vers un futur, un avenir meilleur. Je suis rentrée dans le bus aussi. Et je ne vais plus dire au conducteur de ralentir, non. Je vais laisser faire le conducteur. Et ceux qui prendront le bus, tant mieux. Et ceux qui ne prendront pas, tant pis. C'est pas faute d'essayer, c'est pas faute d'avoir tenté. Alors, je sais ce qui se passe. Je sais où on en est. Je sais ce qui se trame. J'ai pas besoin d'avoir les informations à la télé ou via Facebook pour savoir ce qu'il en est. Je le sais. Je le sais au fond de moi, je le sais. Et je sais aussi que si je veux que les choses avancent, il faut que je fasse un choix. Et le choix, j'ai toujours dit que je veux être libre. Libre. De faire ce que je veux. Et ma liberté commence. Pardon, je me mets les cheveux en place parce qu'il y a du vent. Et ma liberté commence par le fait de laisser tomber tout ce qui me salit, tout ce qui n'est pas en résonance avec moi, tout ce qui fait pas partie de moi au final. Le monde de la 3D ne fait pas partie de moi, je ne fais pas partie de ce monde. Je ne peux pas. J'ai beau essayer, je ne peux pas. Je ne suis pas en relation. C'est pas possible quand je suis en 3D, ça me rend malade. Je me sens comme un oiseau en cage, je me sens pas bien. Je suis pas libre. Je me sens un peu comme ces petits moineaux que je vois en liberté là, et
ils sont tout heureux de venir manger à leur gré et repartir comme ils veulent. Et ben moi, c'est un peu comme si j'avais pris, comme si j'étais ce moineau et que d'un coup, ben, je me retrouvais en cage. Voilà. J'ai pris conscience qu'en 3D, je suis en cage. Et je veux pas. Je veux pas. Donc, je vais tout faire pour m'en libérer. Et je vais commencer par ne plus être salie, influencée. Et tout ce qui pourrait être négatif et mauvais pour moi, je vais virer tout ça. Voilà. Donc pardonnez-moi si, pardonnez-moi ou pas, hein, si je ne poste plus sous vos posts à vous, si je n'ai pas de réaction ou très peu, si je m'éloigne. Alors je m'éloigne de Facebook, mais je m'éloigne pas de vous. Je m'éloigne pas des gens que j'apprécie. C'est juste un retour sur moi. Voilà. Je vais m'adonner plus à la lecture intéressante. Je vais me rapprocher plus de la nature. C'est vrai que j'ai de la chance, je suis en campagne. Mais c'est possible aussi pour les gens qui sont en ville, il suffit qu'ils le veuillent. Parce que vous êtes libres au final. Vous êtes tous libres. Chacun fait son choix, ça, chacun prend son choix. Moi, je fais le mien. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas envie d'être polluée par tout ce qui se passe parce que je sais. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui se trame, je sais ce qu'ils veulent, je sais où ils veulent emmener les gens qui comptent sur eux, qui tiennent. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je suis désolée, je ne fais pas partie de ces gens-là. Regardez l'envolée d'oiseaux derrière moi, vous avez vu? Voilà. Moi, je veux être comme eux, libre, d'aller où je veux, quand je veux, sans frontières, sans rien. Et pour ça, ben, faut que je me décale. Voilà. Il faut que je revienne sur moi, que je revienne sur ma vraie personnalité, sur mon moi, sur mon cœur. Alors, je vous aime tous, toujours autant. Je serai là si je peux aider ou partager, mais plus comme avant. Non, je n'adhère pas. Je n'adhère plus. Et je n'adhère à rien du tout de ce qu'il y a dans ce monde. Je n'adhère à rien. Et pour ne plus adhérer à rien, ben, il faut plus que je sois dedans. Et pour ne plus que je sois dedans, eh ben, il faut que je coupe tout. Télévision, Internet, tout. Je ne m'en servirai que pour le strict minimum. Voilà. Et tout ce qui me parle de ce qui se passe ici et maintenant, je répondrai pas. Je répondrai pas parce que je le sais déjà, donc je répondrai pas, je ne posterai pas. Chacun fera comme il veut, comme il le sent. Pour ma part, pour le moment, c'est fini. Voilà. Donc, vous me reverrez sûrement sur YouTube parce que j'aurai toujours quelque chose à dire, hein. Et bien sûr, je continuerai mes partages, mais plus sur Facebook. Désolée. Mais je vous conseille d'en faire autant au final. Éteignez vos posts, éteignez la télé, éteignez Facebook, éteignez tout. Et allez retrouver votre moi qui se trouve en vous, mais que on a tous fait taire parce qu'on était trop contaminés par ce monde. Et moi, j'ai décidé de me nettoyer. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. J'ai compris la leçon. J'espère que vous l'aurez comprise aussi. Et que vous serez nombreux à suivre mon exemple. Voilà, parce que moi, je trouve que la vie est belle. Bah là, il y a du vent, mais c'est normal, c'est la nature.
Les oiseaux chantent, la vie est belle et le reste, je m'en fous. Je m'en contrefous de ce qui est létal et je m'en contrefous. Je serai à l'inverse, voilà. Je ferai ce qui me plaise quand ça me plaît. Et ben, si ça ne plaît pas aux grands de ce monde, ben, enfin, si ça ne plaît pas à notre petit monarque, ben, enfin, à votre petit monarque, parce que c'est pas le mien, je m'en fous. Si ça ne plaît pas à votre petit monarque, je m'en fous. C'est pas, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Néanmoins, je garde de l'empathie pour tous ceux qui souffrent en ce moment et qui ont du mal avec ce qui se passe. J'aurais juste une chose à vous dire, c'est que après le déconfinement, ne partez pas l'arme au poing pour vouloir casser la tête à tout le monde, parce que ça ne marchera pas. C'est dans l'amour qu'on réussira, pas dans la guerre. Vous savez déjà qu'ils ont déjà tout préparé pour le déconfinement. Et si vous voulez quand même aller à la casse, ben ça sera tant pis pour vous. Ça sera à vos risques et périls. Voilà. On peut très bien se battre dans l'amour et dans la lumière. Voilà. On n'a pas besoin de... Vous savez, la meilleure façon comment vous dire, de se battre, c'est de ne pas leur donner d'attention. C'est d'être indifférent à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. C'est d'être indifférent à tout. Voilà. La meilleure façon de les combattre, c'est l'indifférence. C'est la seule chose que je puisse vous dire et c'est ce que, selon moi, je vais faire. L'indifférence. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, l'indifférence. Voilà. Et advienne que pourra. Quoi qu'il arrive, je l'accepte parce que je suis mon cœur et c'est mon cœur qui me le dit. Voilà. Bon, juste ces quelques petits mots pour vous dire pourquoi je ne serai plus sur Facebook qu'à ceux qui se poseraient la question. Et vous souhaitez beaucoup de courage, de la force. Soyez fort dans votre cœur. Soyez fort dans ce que vous vivez. Soyez fort pour l'après-confinement parce que ça risque de barder. Mais ça bardera seulement si vous le voulez. Seulement si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, ça ne bardera pas. Et vous réussirez quand même à gagner. Parce que tout est fait pour que nous gagnions cette bataille, cette guerre. Tout est fait pour qu'on la gagne. Encore faut-il qu'on le veuille. Alors mes amis, du fond de mon cœur, et avec tout l'amour du monde, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime tous. Et n'oubliez pas, choisissez votre camp.